Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Age 2, Dragon Age 2, où on était, qui bug moins que Dragon Age 1 déjà, c'est déjà pas mal, et bien on avait trouvé ce nain voleur, Varric, pour nous aider dans notre quête, et nous étions une marge dans une ville qui apparemment se transformait en quartier, en cercle des marges, que nos amis les eh Vous bien savez, Junior, c'était les Templiers sont en train de faire C'est de ma la sœur. merde. Évidemment qu'il y a une ressemblance. Or, Quitter la vous zone. pensiez que je parlais de Hawk? Je pensais à Gamelin. Par le créateur, je vous hais, le nain. Ok, il continue, il commence déjà à s'adorer. Alors, on rappelle que lui, là, Carver, c'est notre frère, c'est un guerrier, c'est aussi notre rival. Donc, il n'aime pas trop, souvent, il est un peu contre les décisions qu'on prend. Et quand on lui demande son avis, généralement, il a tendance à donner un avis de merde. Ok, eh ben, allons jusqu'à. J'ai dans le bon sens, hein, oui. Allez, on va aller jusqu'à un homme qui s'appelle Valiant. Apparemment. Yaravour, on ne veut pas d'ennuis par ici. Marché de la haute ville, très bien. Valiant, ça a l'air d'être un nain. Qui es-tu? Ok, ça fait une éternité, camarade. Vaillant, quand êtes-vous revenu en ville? Oh, il y a un mois à peine. Ça n'a pas marché comme je voulais à Orgzammar. Vous ne travaillez plus pour Athenryl, si? Votre année de service doit être révolue. Je finance une expédition. J'envisage de me reconvertir dans l'exploration. C'est ce qu'on m'a dit. Bartrand est une carne, mais une carne bien informée. Oui, et carne, le mot est faible. Je vais vous dire, j'ai gardé mes anciens contacts. Si vous avez besoin qu'on vous fabrique une rune, n'hésitez pas. Bonne continuation, Hawk. N'allez pas vous faire tuer. Je crois que c'est un... L'artisanat, je croyais que c'était un donneur de quête. C'est toujours un plaisir, Hawk. Ah, c'est le lire, le donneur de quête. D'accord. À la queue. Donc si je donne du lyrium, il va me construire une rune de protégation. D'accord. Très bien. Ok. Ah, je croyais que c'était un donneur de quête, mais apparemment non. Et donc on doit aller où? Là, parce qu'on m'indique un point jaune vers le bas, mais je ne vois pas où je dois aller. Rendez-vous d'affaires, parler à Varric, vous la trouverez au l'auberge du pendu dans la basse ville, très bien. Donnez 50 au MSC, il me faut de l'argent. Un nouveau foyer. Marqué en cours. Est-ce qu'on peut en marquer plusieurs? Non. On va déjà aller là. Alors, c'est où ça? Oui. Allez, d'accord. Une amie parmi les gardes. D'accord, la carte elle est. D'accord, on peut abaisser la carte. On peut la bouger. Je crois que c'était une carte complète, mais non. Mais j'ai mis une quête à suivre, mais elle n'a pas apparu dans mon HUD, donc je vois pas trop à quoi ça sert, c'est pas grave. Allons par là. Allons faire cette quête. Ah oui, non, mais il y a du monde en plus. Bonjour messieurs, quoi. Bonjour. Hello! Qu'est-ce qu'on a ici? Un très joli château. Alors, hop. Bonjour. Ah, pardon, je voulais pas fermer la porte. Pas la peine de me regarder comme ça. Alors, base des compagnons. Vous êtes un lieu de retraite de compagnons. Ah, bah oui, bah c'est la Janine. D'accord. C'est notre copine qui avait perdu son mari. Aveline. Bonjour, Hawk.
Elle a l'air contente de nous voir. Quoi ? Oh oui, excusez-moi, j'ai l'impression que nous venons à peine de nous parler. J'ai gardé un œil sur vous. L'un des intérêts de ce travail est qu'il permet de recueillir des informations. Attention à Bartrand, c'est une ordure. Vous cherchez encore à m'espionner ? Vous savez que je n'apprécie guère que vous me fassiez surveiller. C'est ça ou c'est moi qui campe devant votre porte ? Après ce que nous avons traversé pour arriver ici. Eh bien, je sais que vous êtes adulte, mais je prends soin de mes amis. Vu les endroits où ils m'envoient en patrouille, je ne manque pas de temps. Votre charge de garde ne vous satisfait pas ? Vous avez toujours des ennuis ? Je croyais que tout ça était derrière vous. Je ne suis plus très sûr ces derniers temps. On m'a confié des patrouilles inutiles. J'ai peut-être froissé la mauvaise personne. Vous êtes parfois un peu abrupte. Ça fait mon charme, non ? Je devrais pouvoir aller là où on a besoin de moi. En fait, j'ai peut-être une tâche à vous proposer. Si vous voulez rendre service à Kirkwall, venez me voir. Sinon, je suis là si vous avez besoin de moi. Par le Créateur. J'aimerais faire quelque chose de plus utile de mon temps. Vous vous plaisez ici ? On dirait que Kirkwall vous convient. C'était un défi à relever. Beaucoup d'opportunités, si les habitants sont prêts à vous accepter. C'est votre cas ? À force d'y réfléchir, on finit par s'en convaincre. Et ouais, c'est la vie. Wesley, ne vous manque-t-il pas ? Une année a passé. Vous allez bien ? Tu te souviens de ton mari qui s'est fait défoncer ? Vous n'avez pas besoin de me dorloter ainsi. Je suis où je suis. L'importance que j'attache à mes souvenirs ne regarde que moi. Ah, d'accord. Est-ce que votre charge de soldat... Ça doit être très différent de servir le roi Kaelan. J'ai aimé cette vie. Mais nous avons un nouveau roi dans un nouveau Ferelden. Il a l'air un peu trop sûr de lui, mais il était présent lorsque l'archidémon a été vaincu. Et on ne peut négliger sa participation. Mais ce n'est qu'un changement de plus. La vraie fin pour moi a été Ostagar. Qu'en pensez-vous, Carver ? Vous étiez là. Avez-vous le même sentiment ? Non. Bien, je vois. Il n'est pas commode, votre frère. Non, c'est un con. On le sait. Et vous repartiriez pour Ferelden si vous pouviez ? Vous pourriez retourner à Lothering. Ça n'a jamais été chez moi. Ce n'était que l'endroit où la Horde nous tenait à la gorge. Ce n'était pas le premier village que j'ai vu tomber. Mais on ne s'habitue jamais à voir les gens perdre tout ce qu'ils ont. C'est vrai. J'étais déjà partie. Je ne sais pas si je pourrais encore dire que c'est chez moi. Parfois... Un endroit n'est rien de plus que l'endroit où vous êtes né. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Très bien, Aveline. Vous avez quelque chose d'intéressant à faire ? Mes patrouilles sont peut-être de simples marches nocturnes, mais quelque chose d'important va arriver et je pourrais avoir besoin de vous. Une embuscade, probablement pour une caravane, mais je ne trouve aucune livraison qui corresponde. Mais ça importe peu. Si des brigands attendent de fondre sur une proie, je me dois de les arrêter, que ce soit ma juridiction ou non. Qui devons-nous faire face ? Avez-vous la moindre piste, un nom ? C'est sans importance. S'ils nous attaquent, ah bah, c'est criminel, c'est simple. Mais je suis prête à parier qu'il s'agit de contrebandiers. Comme je l'ai dit, ça semble être un piège tendu à une caravane. Comment vous avez fait pour découvrir ça ? Votre nez hors de votre juridiction ? J'ai des contacts, brigands et autres, et ils aimeraient mettre de la viande dans leur assiette. Quelqu'un recrute. Certains d'entre eux ont reçu l'ordre de se préparer pour des voyageurs. Si on veut bien faire ce travail, il faut faire attention à ceux qui manquent. Repérer les gens qui préparent la... J'aime bien comment la garde a des indiques dans la mafia. Tu sens là, en écoutant ce dialogue, tu sens que la garde, elle est vachement là pour aider le peuple, en fait. C'est le genre d'information que vous devriez partager avec les autres gardes. Je le ferai si vous choisissez de passer la main. J'enverrai des alertes et quelqu'un d'autre prendra la tête d'une patrouille. Mais il y a de l'argent et de l'influence à gagner. Je vous fais cette proposition au nom de notre amitié. Je ne suis pas garde, Aveline. Nous sommes peu nombreux et nous pouvons faire appel à des recrues extérieures de temps à autre, tant qu'elles sont compétentes. Vous pensez toujours être à la hauteur, n'est-ce pas ? Allons-y ! Aveline, j'accepte de vous accompagner. On va pouvoir taper des gens. Sur vous. Ils se cachent dans les terres brisées. C'est loin et escarpé.
mais nous pourrons y être rapidement en prenant un raccourci. Et non, vous ne pouvez pas aller vous en charger sans moi. Je vous fais confiance, mais je dois être là. Vous agissez sous la responsabilité de la garde. D'accord. Donc elle rentre dans le groupe, c'est ça? Oui, bien. Ok. Alors, tu gagnes des attributs. Bah toi, ce sera peut-être plus constitution, parce que t'as épée bouclier. Arme et bouclier. Perception. Immunisé contre le contournement, ça me paraît tellement bien. Non, mais non. Moi le premier. Moi le premier. Ok, bon, bah, on va aller faire cette quête. Combien de temps vais-je devoir encore attendre ? Oh ! Ça me rappelle un certain ton de voix que je donne à mes nobles. Nobles que tout le monde adore, évidemment. Alors, oh, c'est quoi cette map ? Maison de Grémel, d'accord. L'auberge du pendu. La haute ville, la chanterie. Le fort du vicomte, d'accord. Kerkol le jour, ah, donc il y aura Kerkol la nuit. Ah, d'accord, il y aura d'autres lieux qui vont se déverrouiller la nuit. D'accord. Et ça, c'est quoi? Site de l'embuscade des terres brisées. Eh ben, allons là-bas. Voilà, téléportons-nous. C'est ça, c'est bien. C'est ça qu'on... Ouf. 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 Comme c'était comme ça, d'un coup, on a l'impression qu'on est tombé sur des... Sur des trucs de du voilà, des vieilles textures dégueulasses. Mais oui. Ok, ouais, la map là elle est un peu dégueulasse par rapport. Voilà, bon après. Oh! Des petits cons! Oui. Il y a des gens qui se tapissent dans l'ombre. Ah, je peux pas engager un combat à la boule de feu. Ici. Est-ce que je peux l'envoyer là? Non. En avant! Battez-vous! Battez-vous pour moi! Allez-y, battez-vous! Hein, quoi? Boum! Congélation, mon ami! Boum! Allez, crève. Ouais, ça va. Facile. Ok, un nécessaire de soins, de l'argent. Attendez, mais il y a un truc là. Un petit rebord là. Mais oui, il y a un loot. Il y a un loot, on le voit. Les loot, c'est important. Bouteille de verre. Oui, et une potion. On l'a vu. Est-ce que j'ai la map complète? Non. Ok. Droite ou gauche? Ah, bah droite. Il y a des petits cons. Il y a des petits cons. On va tellement les tabasser. Archer. Nickel. Boum! Allez. Boum! Ok. Facile. Combat facile. Bon. Ils sont ridicules. Je ne vois pas pourquoi tu avais besoin de nous. Une seule personne. Et encore, une seule personne. Un manchot eunuque aveugle et malade aurait pu s'en charger. Je ne vois pas pourquoi tu avais besoin de nous. Moi, j'aurais bien voulu juste prendre l'argent. Peut-être une map dans cette caverne plus tard. Peut-être. Putitre. Allez. Bonjour. Moi, je vais aller par là. C'est pas la suite? Non, ça a pas l'air d'être la suite. Alors allons par là. Moi, j'aime pas aller vers la suite. Vous le savez. Les elfidées. Elles ont changé de gueule. ouais. Tiens, son nom. Artisanat. On sait. Pour l'elfidé, on sait que ça appartient à l'artisanat. Il y avait dans le 1, mon ami, quand il buguait pas. Quoi?
Et le voleur là, les pièges, pourquoi tu l'as pas eu? Bonjour. Et vous êtes là pour? Pourquoi vous êtes là en fait? Vous voulez négocier, c'est ça? Pas de soucis, moi je négocie. Voilà. Alors. Quoi? On nous prend par derrière, les petits salauds. Le voleur, le voleur, le voleur. Ah oui, protégez le nain, protégez le nain. Hop là. Attendez. Je rappelle qu'on peut aussi donner des ordres hein, à nos troupes. Dans celui-ci, mais on va plus laisser. On a fait le 1 en. On faisait tout seul. Et on va faire dans le 2, on va laisser un peu l'ordi nous aider et gérer un peu. Voir comment il gère. Et on verra pour le 3. Le nain est où? Le nain est au corps à corps, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Ils étaient nombreux ici par contre. Les petits cons. Il y en a encore un qui arrive. Je le vois. Ça dirait pas de tuer ce con. Ok, merci, un bâton gravé. D'accord, c'était un fight un petit peu plus compliqué. Alors, il est niveau 4 sur 5, c'est ça qu'on me dit. Hein. Alors, moi j'ai un bâton d'onyx, dégâts de froid 7 à 10, 11 à 15. Dégâts de feu, restriction de mage. Oui, mais ça c'est tellement mieux. Oh oui. Les bâtons de mage avec des grosses lames et tout au bout. Ok, 10 par seconde, 8 par seconde. Donc d'accord. Donc ce que t'as là c'est mieux. Toi tu peux rien avoir d'autre et toi tu peux rien avoir d'autre. Très bien. Alors continuons. Le voleur, c'est pas ton travail de voir les pièges? Faut éviter que je me les prenne dans la face. D'accord, on revient là. D'accord. Bon, on a fait le tour au moins. Ok, bon, bah, on n'a plus qu'à aller vers la suite. La suite de l'histoire. Enfin, en tout cas, la suite de cette caïte. Le lieu de l'embuscade ne doit plus être très loin à présent. Tenez-vous prête, Hawk. Mais regarde, ils sont là. On les voit. Les cibles en avant pour la garde civile de Kerbal. Boum. Mais je fais des rayons laser. Je fais des rayons laser. C'est tout ce qu'il y a. Hein, ça va. Ah non, il y en a d'autres. D'autres, vous savez. Hop, on vérifie l'épée en même temps, boum. Non mais c'est bon Carver, pas besoin de venir me protéger à chaque fois. Quoi. Je suis assez grande pour tuer tout le monde. Hein. Voilà. Plutôt bien équipé pour des bandits, mais bon, un mort, c'est un mort, et la voie est libre. Il faut prévenir le capitaine Jeven. Retournons au camp pour toucher cette récompense bien méritée. J'adore son style en mode, non mais c'est bon. Mort. Ils ont laissé des petites surprises. Bravo. C'est bien de le voir quand je marche dessus, la mine. Tu sers pas à grand chose, le voleur. La détection des pièges, c'est comme dans le 1, quoi. C'est à 2 cm du piège. Alors, voyons voir comment on le démine des pièges. Est-ce que ça prend le mec le plus fort ou est-ce que ça prend celui qu'on contrôle actuellement? Si je fais déminer. D'accord, donc il faut vraiment que je sélectionne lui et que j'aille... D'accord, et ça devient jaune. D'accord, ouais, donc c'est pas encore très très ergo dans celui-là. Certainement dans les prochains. Maintenant, c'est de l'ergonomie. Hein. Terre brisée. Pourquoi j'ai des symboles là-dessus?
me dit que j'ai un truc à faire ici. D'accord, mais on va pas y aller. L'auberge, la basse ville, fort, éviter de justesse. Ok, bah allons là-bas. Ah oui, bah oui, c'est le camp. D'accord, donc on doit retourner au château pour... Alors, le portable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Voilà les quartiers de Jeven. Attendez-moi, je vais lui expliquer notre plan. Mais on l'a déjà fait notre plan, ça va lui expliquer. Comment ça se passe là d'où vous venez? Mais si c'est moi qui décide des patrouilles, pas vous avec vos caprices. Vous êtes peut-être passé lieutenant dès la première année, mais il est hors de question que je traîne des matuvus sous mes ordres. Est-ce que c'est clair? Retournez à votre poste avec votre sbire de Ferelden avant que je vous jette en prison. Qu'est-ce que ça a braillé? Tout ça pour lui rendre service? Nous avons tué des brigands de grand chemin. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la patrouille concernée? Ce n'est pas la première fois que le capitaine me met la puce à l'oreille. Quelque chose ne tourne pas rond. Qui est patrouillé? Il est temps de découvrir dans quel guépier vous vous êtes fourré cette fois. Il n'y a qu'à vérifier le tableau de service. Il devrait nous indiquer qui était censé emprunter cette route. Dans quel guépier je me suis encore fourré, moi? Vous menacez, mes amis. Est-ce que le capitaine ne serait pas un traître? Je suis quasiment sûr que si. Aveline! Merci de m'avoir tiré de cette embuscade l'autre soir. Je vous dois une fière chandelle. C'était votre parcours de ronde, Brennan? Oui, je patrouillais seul. J'y serais resté à coup sûr. Donc, vous n'avez rien remarqué de particulier? Il n'y avait eu aucun souci depuis des semaines. Les ennuis ont recommencé peu après votre apparition avec Aveline. Le capitaine m'a affecté à une autre tâche quand il a eu vent de vos exploits. J'ai donné la sacoche à Denik pour la patrouille de ce soir. La sacoche? Des paiements, des ordres de mission. Le capitaine nous charge de remettre ces documents aux arrière-postes lors des patrouilles calmes. D'habitude, ce n'est rien de plus qu'une copie du tableau de service. La sacoche de ce soir pesait bien lourd, mais enfin... En tout cas, merci encore, Aveline. Vous êtes une sacrée bonne femme. Ah ah ah, la si contre-mande. On récapitule, la sacoche s'est alourdie le soir même où l'on évite une embuscade. Vous êtes sûr de vouloir vous mêler de tout cela? Vous parlez de votre supérieur tout de même. Quand la vie d'un garde est en danger, un bon capitaine est censé vouloir savoir pourquoi. Et si Jeven n'est pas un bon capitaine, j'entends découvrir pourquoi. Pratique pour passer des informations discrètement. Brennan a déjà rempli sa mission. Un autre garde est en train de tomber dans le piège. Je ne peux pas laisser faire ça. Brennan a parlé de Denik, un chic type. Denik. C'est bon, j'ai trouvé. Une balade nocturne dans la basse ville. Allons vérifier que sa patrouille est aussi tranquille qu'elle est censée l'être. Ok. Nocturne, donc techniquement, on doit y aller la nuit. C'est ça, hein? En théorie. Vidé de justesse. La patrouille du garde Denik risque de mener droit dans la gueule du loup. Accompagner Aveline de nuit dans la basse ville. Ouais, c'est bien ça. Quoi? Oh, c'est pour changer l'équipe. D'accord. Donc la nuit, dans la basse ville. C'est ce qu'on nous a dit, hein? Diantre, tous ces idiots s'imaginent pouvoir régenter les rues dès la nuit tombée. La dératisation a de beaux jours devant elle. Ok, on a deux quêtes apparemment. Que? Encore des cons, mais... Ok. Ils sont tout faibles en tout cas. Ils sont nombreux. Ah,
quand tu veux, Jacqueline. Hein. Jacqueline ? Mmh. Ouais, donc il va peut-être falloir. Peut-être falloir qu'on passe à la main. Hein. Parce que bon, s'ils agissent pas les persos, ça va peut-être pas le faire. Il n'y a pas de temps à perdre, Hawk. Le garde de Nick doit être quelque part ici. Attends, je pille les cadavres. Les gardes y boivent à l'œil. Et vous avez toutes les chances de vous réveiller dans le caniveau. Oh, wow. Maison de Gremlin. Et là, c'est là-bas à droite. Et ben, allons à droite. Alors. Il y a des trucs à piller dans la ville ou pas? Tous les équipements des marches libres voient le jour ici. Salut, mon ange. C'est une femme de joie. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Elle partage. Elle est dans le partage, cette dame. Pourquoi, par contre, elle est toute seule dans la ville? C'est un peu... un peu bizarre, dirons-nous. Samson. Nous nous approchons du lieu de l'embuscade. Et je n'ai pas l'intention d'y laisser un mot. Le garde. Le garde est à terre. Oh, vite, boule de feu. Je croyais qu'ils allaient avancer. Alors, par contre, vous, si vous pouviez y aller, ça m'arrangerait. Merci. Et moi, je vais prendre cher, sinon. Allez, allez, allez. Ah, très bien. Ah, mais il y en a encore dehors, dans le dos. Il y en a encore dans le dos. Oh, fuck. Ça va aller, le voleur, ça va. Quel talent, ce Carver. Bon, qui ça? Aveline? Plutôt pas mal dans votre genre. Mais oui, on sait. Oula, fort proche. Le bisou. Je veux dire, j'étais en pleine patrouille quand ils sont sortis de nulle part. J'en ai descendu quelques-uns, mais ils étaient trop nombreux. Le capitaine disait pourtant que cette route était sûre. Le sceau du vicomte, des informations sur ses fonctions, les comptes de la cité. Le genre d'informations qui valent de l'or pour une guilde de voleurs. C'était un sacrifice, ni plus ni moins. Le sacrifice de nos propres hommes. Le capitaine Jeven devra répondre de cela. Dénoncer ce genre de corruption pourrait ternir l'image des gardes. Notre image est déjà ternie. Les autres méritent mieux. Direction le vicomte. Hors de question de taire cela. Le capitaine chéritant ses voleurs. Mmh. Eh bien, voyons voir l'accueil qu'ils vont lui réserver en prison. C'est pas faux, je suis tout à fait d'accord avec elle. Faut pas laisser le capitaine de la garde comme ça impuni. J'aimerais bien voir ce Samson. Samson, Samson. Bonjour monsieur. Vous avez de la poussière? De la poussière de chez les nains. Je souffre là. C'est un drogué. Cassons-nous. Cassons-nous. Allons finir cette quête, si vous le voulez bien. Mais dit-on que je peux partir par là, d'après ce que je vous vois. On ne voit pas par où. Oh, par cette maison. D'accord. Hop. Quitter la zone, d'accord. Eh bien, deux jours, et puis allons chez le vicomte, voilà. On finira là-dessus, cet épisode. Oh, déjà pas mal. Bah, il fout, voilà, fout mal le capitaine, là. Oh, voilà, moi je vais devenir capitaine, moi, capitaine de la garde.
C'est moi le capitaine. Maintenant. Comment osez-vous? Je suis votre capitaine! Vous n'avez pas le droit! Catin de Fereldienne, de quoi vous mêlez-vous? Je vous ferai pendre et écarteler! Ça ne se passera pas comme ça! Nous avons des raisons de suspecter certains individus. C'est bien triste. Mais vous, Aveline Valen, avez prouvé votre loyauté et vos capacités. La garde mérite mieux que lui, Messera. En effet, le vicomte souhaite mettre à profit votre intérêt pour les hommes de la garde. C'est pourquoi vous allez être promu capitaine. Quoi ? En temps voulu, bien sûr. Après avoir suivi une formation et passé certaines épreuves, ça va prendre quelques mois, au bas mot. Après avoir révélé un tel scandale, qui mieux que vous saurait restaurer la confiance ? Réglez dès à présent vos affaires en souffrance. À l'avenir, vous allez être très occupé. Ça fait un peu opportuniste, non ? Ok. Eh bien, on a fait ça. Très bien, très bien. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.